Spoštovane gledalke in gledalci televizije Exodus. Danes imamo v našem studiu gospoda Pierre Rougeron, ki je ustanovitelj Aristotelovega kroga v Franciji. Krog združuje največje patriotske intelektualce v Franciji. Piše redno za revijo Le Front Populaire, ki je ustanovil svetovno znani Michel Onfray. Značilnost tega intelektualnega kroga je, da združuje intelektualce tako iz leve kot iz desne strani. Zasnali so, da je nacionalna identiteta v Evropi v svoji suverenosti na razpotju. Ta krog intelektualcev zaznamuje nov čas opredelitev ljudi na političnem parketu. To so mondialisti in patrioti. Mondialisti želijo ustanoviti unipolni nov svetovni red, ki bi bil pod nadzorom multinacionalk, civilnih inicijativ in mednarodnih organizacij pod vplivom anglosaškega in ameriškega imperializma. Patrioti pa želijo v duhu Charles de Gaulle ustanoviti nov svetovni red, ki bi temeljil na multipolni ureditvi. To se pravi z meddržavnimi sporazumi in mednarodnimi organizacijami, ki bi bile pod vplivom suverenosti držav. Za poglobitev današnje tematike in obogatitev naše refleksije imamo ob sebi tudi dr. Boštjana M. Turk, ki so mu te vrste opredelitev dobro znane in ki prav tako že dolgo opozarja na izzive in nevarnosti, s katerimi se sooča Evropa. Alors, bonjour, monsieur docteur Boštjan M. Turk. Bonjour, monsieur Pierre-Yves Rougeron. Merci d'être parmi nous. On est vraiment très enchanté d'avoir une personne de telle excellence parmi nous dans notre studio ici en Slovénie. Alors, le thème aujourd'hui de notre émission va être assez intéressant parce que nous allons parler de l'Union, pas des européennes, mais des États qui constituent l'Europe. C'est-à-dire quelles sont leurs identités, quels vont être les enjeux de cette Europe des nations, pour garder l'identité de leur propre identité et également avoir une certaine forme de souveraineté. Donc, Monsieur Pierre-Yves Rougeron, on vient de faire une petite présentation de vous à nos téléspectateurs slovènes. Maintenant, j'aimerais bien savoir un petit peu plus si vous pouvez nous présenter le cercle Aristote, s'il vous plaît. Alors, le cercle Aristote, c'est une petite maison qui est née déjà il y a un petit moment, vu qu'elle est née en 2008. Enfin, elle a commencé à germer en 2008 et elle a... ça fera bientôt 15 ans. Donc, quand je l'ai créée, j'avais un peu plus d'une vingtaine d'années. Donc, le cercle Aristote, c'est né d'une chose qui est très simple. Vous avez, dans une part de ma génération, moi je suis de 1986, vous avez une volonté de réappropriation culturelle et de réappropriation nationale. C'est-à-dire que, ça se voit assez facilement, plus de la moitié des jeunes Français font des votes d'opposition sur la question nationale. Quand ils votent, ils s'opposent à l'Union européenne. Ça fait depuis 40 ans qu'on dit que la France doit cesser d'exister. Ma génération est la première à avoir, ressenti le fait que on lui avait volé son pays. Et voler son pays, c'est quelque chose d'extrêmement grave pour un individu. Parce qu'on perd vos cadres, on perd ce qui fait votre rapport à l'histoire, et on perd ce qui fait votre rapport à la liberté. Hein, quel médium pour aller arriver à la liberté politique. Donc, moi je me suis dit une chose simple, cette jeunesse va falloir aider à l'éduquer. Pour une raison, c'est qu'on a essayé de détruire sa culture politique, ce qui est tout à fait normal dans une optique pour un certain pouvoir pour se maintenir. Mieux vaut avoir des gens qui en sachent le moins possible. Et j'ai décidé d'organiser d'abord des séminaires. Donc nous avons fait 400, 500 séminaires peut-être. On en fait un toutes les semaines à Paris, plus dans les cellules de province. Donc je ne saurais plus dire maintenant. Et à partir de là, bien c'est... Ça s'est enchaîné. On a d'abord fait une revue trimestrielle, Perspective Libre. Là, le dernier vient de sortir sur la souveraineté alimentaire.
On est au 29e numéro déjà. On a après fait une maison d'édition, 62 ouvrages déjà. Et après, on a repris une autre maison d'édition, ce qui nous en fait deux. Et surtout, ce que j'ai aimé faire, c'est que une partie des jeunes que nous avons formés sont devenus eux-mêmes des cadres organiques. Moi, par exemple, là, je prépare une rentrée littéraire de 9 auteurs. La moitié, c'est leur premier livre. Super. Donc voilà, ça, après, Internet aidant, ça a pesé une petite communauté. Hein, c'est une petite communauté. Si Google ne ment pas, et Google n'a aucune raison de me faire une fleur, je ne suis pas assez riche pour ça. Ça doit peser dans les 100 000 personnes, ce qui est pas grand-chose, ce qui est pas tout à fait rien. Et surtout, ça croît et ça embellit grâce au travail de mes hommes. Et voilà, nous sommes d'abord une force de paix et de soutien culturel à l'ensemble du camp national français, de gauche comme de droite. Parce que nous sommes des gens qui refusons de voir la culture de notre pays et notre pays lui-même disparaître. Alors, il y a vraiment une spécificité quand même du cercle Aristote, c'est comme vous l'avez dit vous-même, c'est qu'il y a des personnes de gauche et de droite. Et en fait, c'est un effort intellectuel qui en est venu, on va dire, après plusieurs années, vu l'état de la classe politique française, on va dire, en France. La Français eux-mêmes, par les élections, ont fait part de leur mécontentement de la droite et de la gauche plusieurs fois. En Slovénie, il y a le même aspect, hein. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui sont souvent très, très, on va dire, managées par les personnes qui ont été déjà au pouvoir. Donc, en fait, les nouvelles personnes ne sont jamais vraiment des nouvelles personnes. Et en France, comme on a vu avec M. Macron, nous voyons très bien que c'est en fait la même classe politique d'avant qui est au pouvoir. Donc en fait, il n'y a pas de changement en Europe depuis une trentaine, quarantaine d'années. Donc c'est un constat. Et le cercle Aristote en fait, est le fruit de cette Totalement. constatation. Donc, M. Boštjan M. Turk, comment ça se fait qu'en Slovénie, y a-t-il quelque chose comme ça en Slovénie? Comment ça se fait qu'en Slovénie, on n'est pas encore peut-être arrivé à ce dépassement de soi et peut-être d'arriver à une espèce de liaison entre la gauche et la droite nationale? Voilà, donc là, c'est la Slovénie n'est pas la France. Donc là, il y a une distinction absolue. Par exemple, en ce qui concerne les chiffres, avoir une audience de 100 000, donc c'est-à-dire un public qui vous suit, un public que vous engagez, donc là que vous dites, pour si j'ai bien compris, le cercle Aristote. Donc là, c'est déjà, je pense que c'est aussi, étant donné la qualité des gens qui s'y intéressent. C'est déjà quelque chose pour France, mais pour la Slovénie, donc là, c'est un critère absolu. C'est très désirable d'avoir un tel public. Pour parler de la France et de la Slovénie, donc il y a très peu de dénominateurs communs, sauf que il y a une chose qui est, je dirais, très importante. Je l'ai récupérée dans un de vos interviews, qui est fondamentale, qui détermine donc l'habitus de tout ce que nous faisons, vivons, nous sommes. C'est-à-dire les séquelles de l'événement qui a eu lieu en 68. Pourquoi? Parce que cette révolution, le mai 68, donc là, ça a entraîné un changement profond après les Trente Glorieuses françaises, ça a entraîné la France vers une catastrophe comme l'ensemble de l'Occident. Ce que je pense, voilà, je voudrais votre commentaire parce qu'il y a un dénominateur commun très, comment dirais-je, inattendu, c'est-à-dire que il y a en France, en Allemagne et en Slovénie, il y a la même, comment dirais-je, équipe, étape, donc élite ou caste politique au pouvoir, parce que le mouvement, la Révolution 68, c'est pour la première fois dans l'histoire qu'elle s'appuie sur donc le côté libertaire, libéral, c'est-à-dire là, on va libérer l'homme
et sur le marxisme, parce que le marxisme, c'est une idéologie qui même dans la pratique, s'est mise pour but de libérer l'homme pour le rendre plus compatible avec les postulats de la société sans classe. Et de là, en 68, naît le consommateur qui doit être libre pour la consommation. Et nous avons Mélenchon, nous avons la combinaison en Allemagne, en France, en Slovénie. Le corps électoral qui vote pour Macron, ce sont des baby-boomers. Les baby-boomers qui ont décidé les élections en 2022 comme en 2017. Donc c'est Totalement. la classe qui est née avec Totalement. la génération 68. 8, elle, lui, est extrêmement redevable. Et puis donc Mélenchon, donc ancien trotskiste qui applique les principes de la lutte marxiste, etc. Donc maintenant ils ont la majorité, ils décident. La France, en Allemagne, la même chose. Le chancelier Scholz, donc là ancien trotskiste, ancien, donc là on sait que la police secrète allemande de l'Est l'a récupéré parce qu'il était contre l'OTAN. Et en Slovénie, je vous et puis l'Allemagne est un pays qui est extrêmement libertaire, libéral. Donc là, nous avons la même combinaison et tout va pour la consommation, pour le consommateur. Et c'est le pire ennemi de la littérature, l'homme comme consommateur de l'homme religieux. Et en Slovénie, on a la même combinaison. Maintenant, nous avons un parti qui s'est recruté parmi les millionnaires slovènes. Golob, il est extrêmement riche, les gens qui appartiennent à la classe, mais il se réclame des postulats marxistes et la Slovénie est le seul pays au sein de la communauté européenne à avoir intégré dans le gouvernement un parti qui est d'origine léniniste, marxiste, de gauche, donc un parti comme Die Linke en Allemagne. Donc là, je pense que nous vivons un processus des séquelles de 68 et je voudrais votre commentaire sur cela. Merci. Je vous remercie pour cette question. Je la trouve très qu'elle ouvre beaucoup de portes. Si nous reprenons par étapes. Alors, moi, ce sont le problème, c'est que ce que le libéralisme libertaire, pour reparler comme le philosophe d'une autre branche du marxisme qui les a combattus, qui est Michel Kluskar en France, a une particularité. C'est que c'est ce qu'on appelle en histoire des idées, pardonnez-moi, c'est un peu mon dada, c'est ce qu'on appelle une doctrine évolutionniste de groupe. C'est-à-dire que c'est une idée qui va servir à, si vous voulez, c'est pas une idée comme la démocratie. La démocratie, chacun peut y penser, etc. Le gauchisme, le libéralisme, le libéralisme libertaire a été spécifiquement conçu pour faire advenir le pouvoir d'une caste d'âge et de revenus très précises. Elle commence à Woodstock aux États-Unis et elle va donner une partie des gens comme les Clinton, par exemple. Ou pire, elle va donner. Alors en Allemagne, elle va avoir un pouvoir et elle a toujours un pouvoir qui est colossal parce que l'Allemagne est allée très très loin, très 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 loin sur des aspects qui heureusement d'ailleurs ont touché la France, mais l'ont touché beaucoup moins, je pense. Par exemple aux questions de mœurs sur les adolescents, sur les enfants, etc. où ils sont allés beaucoup beaucoup plus loin, malheureusement. Faut voir ce que c'est, les mouvements libertaires allemands des années 70-81. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations judiciaires en cours en Allemagne sur cette période-là. Et ils déterrent vraiment des parts noires du passé, quoi. Or, pour la France, les boomers, leur premier rôle, c'est de faire élire Giscard. Parce que nous, on a une légère particularité, mais je pense que. Sur la ligne générale, vous et moi, nous sommes d'accord, c'est que le libéralisme libertaire va être un premier pont
entre la, si vous voulez, la gauche qui ne veut plus être une gauche française et la droite qui ne veut plus être une droite française. Quand Daniel Cohn-Bendit, qui je pense que malheureusement vous le connaissez en Slovénie Oui, aussi, malheureusement, elle tirait Victor Hugo, hélas, bah, hélas. oui, hélas, oui. Là pour le coup, comme produit d'exportation, on aurait pu éviter. Et vous voyez que quand on fait un couple franco-allemand, bah, ça marche pas si bien que ça. Donc, parce que Cohn-Bendit est les deux. Hein, je rappelle qu'il a la double nationalité. Le problème, c'est que quand Daniel Cohn-Bendit dit « Je suis le grand-père idéologique de Giscard », il a raison. Le problème, c'est qu'il a raison. Parce que nous, on va avoir un boomerisme, ce que j'appelais boomerisme, de droite, qui va être antinational, et ça va nous précipiter dans la catastrophe, car il faut pas oublier que le premier gouvernement 68ard, et encore, il était retenu parce qu'il y avait une part de ministres gaullistes, avec lesquels d'ailleurs il avait énormément de mal, mais qu'il retenait dans sa folie, c'était Giscard, et ensuite, c'est Touchous, Mitterrand, Chirac, Hollande, et aujourd'hui, on arrive à Macron. Macron, qui est la forêt trentenaire ou quarantenaire derrière laquelle se cachent tous les boomers. C'est-à-dire que la France vit quelque chose que malheureusement nos amis des pays de l'Est ont vécu, c'est-à-dire une gérontocratie qui se cache derrière un candidat plus jeune. Et comme disait l'analyste politique français Patrick Buisson, Macron, c'est le jeune président des vieux. Eh Oui. bien, c'est malheureusement très vrai. Or, moi, j'en veux pas à Macron d'avoir l'âge de ses artères, je lui en veux d'avoir l'âge de ses idées. C'est-à-dire que il est dans un moule idéologique qui a foutu l'Occident en l'air, il faut quand même s'en rendre compte, qu'aujourd'hui, les pays, même au sein de l'espace géographique européen, qui, parce que ils essayent d'avoir leur identité à eux, qu'on leur a appris quand même pendant un demi-siècle de rideau de fer, qui essaye de ne pas goûter à cette médecine-là, on lui dit que dans l'Europe, c'est obligatoire. Moi, je vois ce que. Moi, j'ai été dans les institutions européennes, je vois que ce gauchisme est la culture médiane qu'il faut avoir dans l'européisme, c'est la culture médiane. C'est pour ça que même si, que. Vous êtes, quand vous êtes quelqu'un qui a des sympathies conservatrices ou nationales, ce qui est mon cas, quand vous êtes obligé de ramper toujours plus bas parce que vous n'êtes pas assez dans le coup, et être dans le coup, c'est quoi? C'est d'allier le libéralisme économique le plus niveleur avec. Le gauchisme, avec le gauchisme culturel le plus infect, et malheureusement, c'est omniprésent dans les institutions européennes, elles ne peuvent que faire ça. Et c'est l'une des raisons qui a fait que nos amis britanniques sont partis, qu'ils ont eu raison, parce que, et croyez-moi, ce n'est que le début, parce qu'ils vont se raidir, parce qu'ils voient bien que dans le fond, ils perdent le pouvoir, ils le savent. Donc ils vont se raidir, et ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire en France. En Allemagne, je ne pense même pas qu'ils perdront le pouvoir. Vous, je vous souhaite qu'ils le perdent chez vous, je vous le souhaite. Mais je peux dire, moi j'ai fait cette erreur-là il y a longtemps. J'ai cru, comme c'était des gens, si vous voulez, il y a un très bel ouvrage littéraire en France, s'appelle La Nostalgie de l'honneur, qui est sorti il y a quelques années. La société française était, vous qui êtes un admirateur de Corneille comme moi, mon cher, vous le savez, la société française a été historiquement calquée sur la notion d'honneur. De l'honneur. Parfois jusqu'à la caricature, il faut être honnête, mais je préfère un Français caricatural qu'un Français qui est plus français du tout. Or, les 68ards sont la première génération pour qui l'honneur n'est pas un fait social en France. Les premiers en plusieurs siècles. Et aujourd'hui, dans ma génération, par exemple, vous avez cette nostalgie-là parce qu'on a encore le contact de nos grands-parents qui ont connu les années 40, sont pas des 68ards. Et le souci, c'est que j'ai cru que comme c'était des gens dépourvus d'honneur, ils seraient par emportés par leur lâcheté,
avant l'usage de la violence. Ce qui s'est passé pendant le Covid-19, ce qui s'est passé pendant la crise des Gilets jaunes, fait que, en tout cas en France, ils iront dans la violence pour se maintenir. Je ne sais pas en Slovénie, je ne me permettrai pas. Et je pense qu'en Allemagne, ils garderont le pouvoir, parce qu'ils ont liquéfié toute la classe politique autour d'eux. Et il y a un pays qui est très parallèle à la France là-dessus, c'est les États-Unis. Car ce que je vois aux États-Unis de la part de la gauche woke, qui n'est jamais qu'un gauchisme radicalisé, hein. C'est-à-dire que ce sont les enfants des premiers, hein. Et leur envie de violence, qui est très supérieure aux moyens de leur violence, mais leur envie de violence est telle, moi tous mes correspondants aux États-Unis me le disent, que ça se terminera mal. Donc il y a au moins deux pays en Occident où ça se terminera assez mal, c'est les États-Unis et la France. La Grande-Bretagne est en train de batailler contre ces gens-là, et vous avez des pays qui vont, je pense, totalement basculer en Occident, le Canada, ce qui est déjà largement fait, malheureusement, et l'Allemagne, parce que je ne vois pas qui en Allemagne osera remettre le moule libéral-libertaire en... Même l'AFD s'est couchée là-dessus, hein. Donc on a vu là maintenant, vous avez présenté comment est-ce que mai 68 a gangréné la société européenne. Est-ce que vous pouvez également un peu développer également votre phrase sur Manuel de Diégèse, « Les Européens vivront un inconscient religieux sans pouvoir le nommer ». Alors ça c'est aussi, je passe un peu du coq à l'âne si on peut dire, mais ça a quand même un sens profond pour moi, parce que voilà, et pour nos téléspectateurs, parce que nous sommes une chaîne catholique. Donc pour nous, il y a quand même la racine chrétienne de l'Europe, qui est une identité qui relie toutes les nations européennes. Donc, je voulais savoir, vous ne vous revendiquez pas comme catholique. Par contre, vous avez, avec Manuel de Diégèse, découvert, vous avez vous-même fait cette démarche de la nécessité du religieux et de la religion. Donc, pouvez-vous nous expliquer cela? Alors, si vous voulez, Manuel de Diégèse, c'est une œuvre qu'on essaye de sauver avec mon équipe, donc de publier ses inédits. C'est un penseur qui est très français, alors qu'il est né suisso-guatémaltèque. Donc, si vous voulez, il n'avait pas une goutte à la base. Mais en réalité, il y a de grands penseurs français de l'inconscient religieux. Il y a lui, Régis Debray. Et si vous voulez, moi, à titre personnel, j'appartiens à une spiritualité qui est autre, mais j'ai énormément de catholiques dans mon équipe et d'intellectuels catholiques. Et si vous voulez, les êtres humains, ce qui fait la force de l'être humain, c'est que c'est un mammifère imaginant. C'est un mammifère imaginant et dont l'imaginaire peut devenir moteur. Et nous vivons dans un monde qui est saturé d'imaginaire, et c'est normal. La science est un imaginaire humain, la littérature est un langage imaginaire humain, un imaginaire en lui-même. Or, Diégèse est un historien de l'imaginaire. Pour lui, il y a quatre grands imaginaires. L'imaginaire littéraire, lui était un spécialiste de Rabelais et de Cervantes et de Chateaubriand. L'imaginaire scientifique. Nous, on a des problèmes quand nos amis scientifiques oublient qu'ils sont aussi un imaginaire, parce que sinon ils entrent dans de la dogmatique, ce qui en science n'a pas de sens. L'imaginaire politique, là aussi, il ne faut pas absolutiser le fait politique. Et l'imaginaire qui a guidé les hommes le plus longtemps et qui est donc le plus travaillé, le plus avancé, c'est évidemment l'imaginaire religieux. Or, quel est l'imaginaire religieux le plus documenté de l'histoire des hommes? L'imaginaire chrétien, et particulièrement l'imaginaire catholique. C'est évident. En masse de documents, c'est évident. Or, le problème, c'est que nous avons une haine qui s'est développée dans plusieurs pays européens de l'héritage chrétien, qui est une haine, je le dis, et d'autant plus, moi, à titre personnel, j'appartiens à une confession minoritaire, mais la haine de l'héritage chrétien dans les pays européens est délirante. Délirante. Quand on s'enorgueillit d'abattre des églises là où il faudrait les protéger, ce que j'ai vu en Allemagne il n'y a pas longtemps pour des affaires de charbon, c'est-à-dire qu'on
On fait, on filme des églises liquidées au bulldozer comme un acte de joyeuseté. Alors que si vous voulez, c'est un acte extrêmement grave de détruire une église. Enfin, on se rend pas compte de ce que c'est une église. Une église, ce n'est pas seulement un gentil bâtiment où on va enterrer les gens une fois par mois. Bon, à un moment, on ne se rend pas compte de ce que c'est l'église dans l'imaginaire des Européens. Moi, quand je vois aujourd'hui des gens qui, en programme de culture générale en France, veulent éliminer la Bible, moi, je leur dis, vous êtes de grands malades. Vous êtes de grands malades. Vous liquidez la Bible. OK. Donc, Thomas d'Aquin vous échappera, Bossuet vous échappera, et Claudel vous échappera. C'est-à-dire que même votre contemporanéité, vous ne pourrez pas lire Mauriac. Mauriac, il est mort dans les années 80, enfin 70-80. Donc, vous ne comprenez pas que vous avez une haine de la souche de votre civilisation, de votre pensée. C'est une haine de l'origine. En psychanalyse, ça existe. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que c'est un synonyme d'autodestruction. Et je leur dis, je ne vous demande pas de vous re-christianiser. Premièrement, moi, j'en ai pas la légitimité. Deuxièmement, je ne peux pas vous en vouloir car une part gauchiste de l'Église française, j'espère que ce n'est pas votre cas pour chez vous, mais nous, on a une part de l'Église qui ne veut pas évangéliser parce qu'elle est dans les droits de l'homme. Le problème, c'est que le catholicisme, ce n'est pas les droits de l'homme, c'est les droits de Dieu à la base. Oui. Enfin, si vous voulez, ça va. Si je n'ai pas besoin de voir un prêtre, s'il me raconte la même chose que l'animateur gauchiste qui joue du djembé dans le quartier d'à côté. Si un prêtre n'est qu'un travailleur social, je n'ai pas besoin qu'il porte une soutane. Ça veut dire quelque chose, la soutane. Enfin, faut un moment, faut arrêter. Et le problème, c'est que tous ces gens-là veulent que l'imaginaire chrétien disparaisse, alors c'est-à-dire qu'ils veulent s'auto-mutiler. Enfin, faut comprendre ce que c'est. Vous retirez à un pays comme la France l'imaginaire chrétien, l'imaginaire catholique, vous le mutilez. Et là, même des gens qui sont pourtant très anti-religieux, je pense au camarade souverainiste Michel Onfray, le dit lui-même. Vous ne pouvez pas retirer le christianisme de la France. À un moment, c'est. Et malheureusement, je pense que c'est plus profond. Je pense qu'on est passé d'un anticléricalisme, disons, quaternaire, parce que l'Église en France n'a plus de pouvoir et ne représente pas une menace politique, à une haine de l'identité qui se cristallise. Contre le christianisme et qui se cristallise contre l'imaginaire religieux. Or, on peut accepter l'imaginaire religieux sans soi-même être religieux. Mais moi, je veux avoir cette dimension parce que sinon, la littérature m'échappe. Et moi, la littérature, c'est mon type imaginaire préféré. Et parce que les grandes religions, quoi qu'on en pense, et le christianisme particulièrement, sont des écoles de survie des peuples. Parce qu'elles ont fait survivre l'âme des peuples pendant des millénaires, et ça mérite un minimum de respect. Et surtout pour le peuple slovène, n'est-ce pas, Oui. Bochian? Oui, donc là, je partage les opinions qui ont été donc présentées. Voilà, j'y rajoute que je suis en train de finir mon livre. La guerre au nom de la paix, où je parle de la crise civilisationnelle en Europe, pour une simple raison, donc c'est la dérive de l'athéisme, parce qu'il n'y avait pas dans l'histoire de l'humanité une civilisation qui pourrait ou qui puisse subsister sans religion, sans métaphysique, sans voilà l'au-delà, Sans sans arrière-monde. si vous voulez, d'après Diégès, l'imaginaire le plus productif
l'imaginaire religieux. Parce que ça c'est le pilier, c'est le socle, c'est tout. Et donc cette haine, voilà, vous avez parfaitement raison, cette haine qui est dirigée contre le christianisme est dirigée en dernière instance contre l'identité de l'homme occidental du français. Voilà, de ce point de vue, on pourrait tracer un parallèle vers le politique ou vers la politique. Nous constatons un fait, comment dirais-je, incontestable, pourtant surprenant. Lorsque le chancelier Kohl, Helmut Kohl, était au pouvoir en Allemagne, c'est l'Europe qui était extrêmement forte et c'est l'Union soviétique qui s'est délitée et qui s'est effondrée. Il y a 30 ans, nous avons Angela Merkel, parce que dans ce livre, j'appelle l'époque cruciale, c'est l'époque 2005-2021, l'époque où il y avait où tous ces principes néfastes, LGBT. Donc là, je parle de l'abus du dernier traité en rigueur. Bon, quoi que vous en pensiez, quoi que vous en pensiez, de Lisbonne et de sa partie préambulaire, qui est largement abusée de la part des administrations bruxelloises. Je parle de cela. Donc, cette époque de Angela Merkel a vu investir ces pratiques néfastes LGBT, les droits de la minorité qui sont donc au-dessus des droits de la majorité, ce qui est un principe, etc. Puis les expérimentations avec les migrants. Et puis les expérimentations avec la transition verte, etc. Donc là, c'est l'Europe a été foutue par Angela Merkel. Et quelle est la différence profonde entre Helmut Kohl et Angela Merkel? Mais il n'y en a qu'une, que Helmut Kohl était chrétien et que c'était une démocratie chrétienne, christlich-démocratische Union. La démocratie chrétienne à laquelle il a présidé. C'est que cette démocratie chrétienne de Angela Merkel, se pose une question logique, est-ce encore une démocratie et que tout le monde sait que ce n'est, que ça n'a aucun rapport avec le christianisme ou quoi que ce soit. Parce que c'est l'idéologie libertaire, libérale, liée au wokisme, qui est une idéologie d'une réincarnation des mythes contradictoires. Je parle des contradictions du marxisme et du fordisme dans mon livre, parce qu'ils sont à la base de cette énorme confusion que nous vivons maintenant. Voilà, ça n'a rien à faire avec le christianisme, Angela Merkel. Et en comparant le chancelier Kohl, où l'Europe était forte, et l'Union soviétique, et la Russie, c'est elle qui s'est effondrée. Bon, on sait qu'elle s'est effondrée, qu'il s'agissait de la rivalité entre Eltsine et Gorbatchev, et qu'en décembre 1991, donc là, ce sont ces deux moteurs qui ont amené à la désintégration de l'Union soviétique. Et donc là, nous assistons maintenant, il y a 30 ans après, à un processus inverse. C'est que l'Europe se délite, c'est que la France se délite, c'est que l'Allemagne se délite, et c'est que la Russie a, étant donné, donc on ne va pas débattre de l'état des choses en Russie, mais c'est la Russie qui est capable d'agresser un pays qui est dans l'Europe, l'Ukraine. Et de faire paniquer l'Europe entière. Donc là, c'est Russie, elle est forte. Je me demande, voilà, c'est dans mon livre, comment, dans 30 ans, cela a pu avoir lieu. Parce que l'Europe, c'était un continent qui était le phare du monde, dans le Alors, sens baudelairien du mot, les Monsieur phares Pierre-Yves de Rougeron. Sansonnet. Voilà, je pose, c'est comme ce que je m'excuse parce que je suis un peu trop bavard. Je pose cela comme une proposition de réflexion à notre cher collègue. Très bien. Alors, moi, je pense qu'à un moment, quand vous faites sortir certaines catégories de leur écosystème humain et idéologique, vous les tuez ou vous les abâtardisez de manière terrible. Rappelez-vous la phrase de Chesterton, Le monde est plein d'idées chrétiennes devenues Oui. folles. Joseph de Maistre écrivait, En dehors de l'Église, l'Évangile est un poison. C'est une phrase violente, mais
quand vous voyez certaines utopies de droits de l'hommiste chrétien, eh bien, vous comprenez ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que une idée chrétienne a un sens dans un moule chrétien. Vous la sortez et vous la mettez dans un moule qui ne l'est pas, elle peut avoir des effets totalement différents. Regardez le mal qu'a fait en France le christianisme de gauche. Je ne remets pas en doute que ces gens croient, mais le moule dans lequel ils ont fait leur religion a dénaturé la religion elle-même. C'est le problème. Or, le problème qui va se poser à nous, c'est que l'Europe, c'est un mot qui a énormément de définitions, qui a eu une définition politique à l'époque des royautés combattantes. C'est-à-dire que l'Europe, c'était l'émulation de royaumes combattants qui voulaient garder leur souveraineté les uns par rapport aux autres, et qui donc devaient rester combatifs. Ça a été l'Europe, c'est ce qui a succédé à la chrétienté. Aujourd'hui, on a retiré la liberté nationale pour laquelle la plupart des peuples, je pense aux miens, je pense aux Anglais, en retirant la souveraineté, on a retiré la liberté nationale, c'est-à-dire ce qui a fait que des peuples se sont battus pendant des siècles. Eh bien, quand vous avez retiré la liberté nationale à des peuples, ils se laissent tomber, exactement comme les anciens peuples colonisés, après la conquête, se sont, pendant des décennies, laissés tomber. Eh bien, ce qui arrive aux Européens aujourd'hui, c'est qu'ils vivent le fait que la liberté nationale s'est évanouie, qu'on leur a pris, et donc ils sont, vous savez, comme ces individus qui se rendent compte que leur vie ne leur appartient plus et qui se laissent mourir au bord d'un chemin, le à quoi bon qui accompagne le suicide des civilisations. Rappelez-vous, Toynbee, les civilisations se suicident. Or, prenez le cas un pays comme la France. La France, est l'un des pays qui a l'histoire militaire la plus riche au monde. C'est-à-dire que la France, nous nous sommes battus avec presque le monde entier pour rester ce que nous sommes. Aujourd'hui, le fait que la France ne soit plus un pays libre emporte un sentiment de spleen général dans sa population qui se voit quand même à deux taux gigantesques. Je rappelle que les Français sont les principaux consommateurs d'anxiolytiques par tête d'habitant au monde. C'est-à-dire que les Français vont mal. Et que comme ils veulent faire bonne figure, ils compensent par une camisole chimique, parce que c'est de la camisole chimique. Deux, chez les Français, la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, deux premières causes chez les 24-35 ans est le suicide. C'est-à-dire que les Français se flinguent en masse, ce que d'ailleurs nos amis étrangers ne peuvent pas savoir, parce que le pouvoir français fait en sorte que ce ne soit pas su. Or, le problème, c'est que moi, je pense que ce qui a emporté beaucoup de peuples européens, et vous le voyez également dans les taux de natalité. Regardez le taux de natalité en Espagne, regardez le taux de natalité en Italie. C'est la mamma qui est un symbole de la culture italienne aura peut-être disparu en 2050. Vous le verrez, moi aussi, si Dieu nous prête vie. Donc, vous voyez, ça, ce sont des signes profonds de peuples qui ne croient plus en l'avenir, tout simplement parce que s'il y a une chose que les Européens ont apportée au monde, c'est la conscience des libertés nationales. Nous nous les sommes retirées à nous-mêmes. Nos amis américains nous y ont beaucoup aidés, mais on se les est retirés nous-mêmes. Et donc, nos populations sont en train de dériver, de s'autodétruire. Et en plus, une fois qu'on leur a pris la liberté nationale, on a détruit leur mémoire. Le problème, c'est que sans la liberté nationale, la mémoire, c'est du folklore. Quand vous êtes libre, la mémoire, c'est ce qui tend la corde de l'arc, vous voyez. Mais vous voyez, c'est ce double processus-là, auquel vous pouvez associer l'immigration, qui n'est rien de plus qu'une destruction physique des populations. Eh bien, fait que si les nations d'Europe ne le décident pas une fois pour toutes, contre une partie de leurs élites, et croyez-moi, moi je sais comment Bruxelles voit le monde dans 30 ans. Moi j'ai,
Si vous voulez, rappelez-vous cette phrase extraordinaire du dissident Bukowski quand, pendant le 29 mai 2005, j'ai vécu dans votre futur et ça n'a pas marché. Et il parlait de la soviétisation de l'Union européenne. Moi, j'ai vécu cette soviétisation à l'intérieur, je l'ai vue. Je sais comment ces gens-là imaginent l'avenir, c'est-à-dire, comme disait Jean-Claude Juncker, un continent qui aura reçu 50 millions, c'est dans le plan Juncker, d'immigrés. 50 millions d'immigrés, c'est plus que la plupart de nos amis de chaque pays d'Europe de l'Est. Il y a peu de pays d'Europe de l'Est, il n'y a pas de pays d'Europe de l'Est, je crois, à l'exception de l'Ukraine, à 50 millions d'habitants, si mes souvenirs sont bons. C'est 50 millions d'immigrés, plus contre lesquels je n'ai rien. Je ne supporte pas qu'on déporte des gens de chez eux pour les faire travailler. À une époque, on appelait ça des négriers. Bon, moi, j'aime pas les négriers. Bon. Donc, Et deuxièmement, que, comme le dit très bien le droit communautaire, vous avez la définition de l'intégration dans le droit communautaire, elle est à lire. Ce processus a double sens, vous m'entendez bien, entre l'immigré et la patrie d'origine. C'est-à-dire, il arrive, vous lui faites la place en termes de mœurs. Or, ça va créer quoi? Ça va créer des sociétés de la haine. Ça va créer des sociétés de la haine. Quand dans un territoire, vous entrez dans la dynamique multiculturaliste avec des cultures qui s'opposent sur des faits primordiaux. Or, aujourd'hui, une partie de l'eurocratie veut l'implosion des pays européens pour une raison, c'est qu'ils ont et ils cultivent une haine. Si vous voulez, moi, c'est ça qui m'a terrorisé quand j'y étais, particulièrement de la part des hauts fonctionnaires allemands. Vous avez Ils été avaient. parlementaire, Ils vous avez avaient. été parlementaire, J'ai été assistant, conseiller assistant, politique. pardon. J'ai pas été parlementaire. J'ai été conseiller politique aux affaires étrangères. Or, c'est la haine qu'il y a dans ces locaux pour le monde entier, pour Poutine, pour la Chine, pour Trump, pour Trump. J'ai pas dit pour les États-Unis. Hein. J'ai dit pour Trump. Différent. Et ça veut bien dire quelque chose. Mais par exemple, une haine interne. Moi, je le voyais insufflé par les parlementaires, les hauts fonctionnaires allemands, la haine des Polonais, la haine des Espagnols, de temps en temps, la haine des Italiens souvent, la haine des Français, la haine beaucoup de pays d'Europe de l'Est. Si vous voulez, c'est des gens qui ont besoin. Si vous voulez, je pense que pour une partie de l'eurocratie, pour qui l'Europe est une espèce de millénarisme cinglé, les peuples européens, particulièrement depuis 2005, en votant contre cette fuite en avant, les peuples européens les ont déçus. Et donc maintenant, si les peuples européens ont déçu la révolution européenne, et c'est là où beaucoup d'entre eux viennent du gauchisme. Ça, vous avez tout à fait raison. Parce que pour eux, les peuples doivent payer les deniers du rêve et donc disparaître. Ça, croyez-moi, je l'ai vu, ça. En parlant de tous ces problèmes de souveraineté, on va parler maintenant. J'aimerais bien savoir un peu quel est votre point de vue justement sur le nouvel ordre mondial. Si vous avez, parce qu'en fait, voilà, le but ultime de l'Union européenne, c'est de faire des États-nations européennes comme les États-Unis. Quel est l'enjeu en fait des États à survivre dans un nouvel ordre mondial? Alors, je pense que l'eurocratie a un but qui est encore bien pire que de faire un État fédéral. Parce que, au moins aux États-Unis, et l'arrêt de la Cour suprême récent l'a encore dit, vous n'avez pas de centralisation. Vous avez quand même un fédéralisme. Mais c'est normal parce qu'il existe un peuple américain. Il n'existe pas de peuple européen, il n'en existera pas. Pas un peuple européen unique. Si vous voulez, c'est délirant. Nous sommes extraordinairement différents et c'est de cette différence dont nous avons tiré nos pouvoirs respectifs. Aujourd'hui, vouloir les Européens comme unité, c'est avant tout comment dire, c'est avant tout les mettre en dehors de la course, parce que objectivement, qu'est-ce qu'on a en commun? Je vais vous donner un exemple. Le savoureux échange que nous avons eu avec mon collègue hors antenne.
qui est un échange qui m'a beaucoup touché et que j'ai trouvé assez délicieux. Cet échange est possible parce que nous avons des passions communes, entre autres pour la culture classique, a priori, et nous les voyons chacun à travers notre prisme. C'est ça qui fait l'intelligence du dialogue. Mais prenez, si vous devez faire de l'européen un homme générique du mondialisme, ce qui est le but de la Commission. Enfin, faut bien comprendre que pour l'eurocratie, l'Europe doit être le meilleur élève du mondialisme. Bon, ok? Eh bien, qu'est-ce qui relie des Européens dans le sens mondialiste? C'est d'être tous des Californiens de deuxième catégorie. C'est-à-dire que nous voudrions tous être américanisés, mais l'Amérique veut pas de nous. Et voyez une partie des jeunesses d'Europe de l'Est. Moi, j'y suis. Je les ai rencontrés pour le voir. Voyez une partie de la jeunesse allemande qui est américanisée au dernier degré. Et je vois ce qui est dans ma propre rue. Donc, le problème, c'est que vous comprenez, si on doit faire dialoguer les civilisations européennes, un dialogue de civilisation, ça peut se faire de deux manières. Ça peut se faire par le haut, ça peut se faire par le bas. Si on le fait par le haut, on le fait par la distinction, la nuance, la culture, donc ce qui nous distingue de prime abord, mais nous rapproche par le dialogue. Sinon, on le fait par la consommation. La consommation a un pouvoir normalisateur, Pasolini le disait très bien, que même les régimes fascistes n'ont pas eu. Et si on fait ce peuple européen par le standard de consommation, on va juste en faire un Californien abruti, sans aucun sens patriotique parce qu'il n'aura pas de pays, c'est-à-dire un homme profondément mutilé, qui sera obsédé par la légèreté de la vie et qui ne vaudra plus rien dans le vent de l'histoire. Et là, pour le coup, je vous le dis tout de suite, ce sera très désagréable, mais ce ne sera pas très long. Parce que vu le monde qui arrive, cet homme-là ne survivra pas. Là, si vous voulez, faut bien comprendre ce qui est en train d'arriver. La déglaciation de la guerre froide est maintenant totale. L'ère des royaumes combattants est revenue, ce qui ne veut pas dire l'ère de l'impérialisme. L'ère de l'impérialisme, c'est ce que l'Occident a fait vivre par l'intermédiaire de l'US Army au monde, de la chute de l'Union soviétique à nos jours. Ça, c'est fini. Nous allons avoir des États qui vont, je ne pense pas vouloir conquérir, je vois pas la Chine vouloir conquérir directement. Ce n'est pas leur culture. L'Inde encore moins, parce qu'eux, en plus, ils ont une culture de la fermeture. Mais ils vont vouloir prendre le maximum de puissance pour que plus jamais qui que ce soit se mette en travers de leur route. Et n'oubliez pas que pour la Chine, ça date d'il y a longtemps, hein. Le sac du palais d'été, les traités inégaux. Or, je pense que dans ce monde-là, il y a des pays qui ont la seule force que nous avons, c'est la liberté nationale pour avoir le maximum de puissance. Pas dans un but d'agressivité, ça ne sert à rien. Nous Bien arrivons, sûr. nous devons prendre soin de nos populations. Déjà redresser nos démographies, etc. Nous n'avons pas à faire la guerre pour des valeurs à qui que ce soit. Ça, c'est ce que l'eurocratie voudrait faire aujourd'hui. C'est-à-dire les guerres au monde entier pour le droit au LGBT pour tous. Alors, Or, ouais, voyez. j'aime bien sortir cette petite phrase parce que voilà, même en France, j'entends très souvent Monsieur Macron qui parle des valeurs pour les valeurs. Ah, Mais oui. en fait, voilà, en fait, les valeurs, elles sont faites pas pour que nous on les défende, mais pour que nous on les vive et que elles, en les vivant, nous défendent nous. Et Monsieur le Président, ou même la plupart de nos politiques en Europe, ils n'ont plus de valeur. Ils savent même pas c'est quoi une valeur, parce que dans leur vie même propre, dans leur vie de tous les. Leur lien avec le peuple, en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de lien, en fait. Il n'y a pas de paternité, il n'y a pas de maternité. C'est. Voilà. Non mais, et puis surtout, surtout mon cher, on a un autre problème, c'est que ce qu'a fait la force de l'Europe, alors particulièrement de l'Europe latine, parce que ça vient de chez nous, mais je sais qu'il y a les équivalents pour nos amis d'Europe de l'Est, c'est que ce qu'a fait différentes civilisations européennes, c'est que nous, on n'était pas des hommes de valeur, on était des hommes de vertu d'abord. D'abord. De vertu au sens romain du terme.
de vertu au sens machiavélien du terme, au sens florentin du terme, au sens de la Renaissance du terme. Or, aujourd'hui, vous voulez imposer des valeurs alors que vous n'arrivez pas à faire des hommes vertueux. Et le pire, vous l'interdisez parce qu'un homme vertueux est un mauvais consommateur par nature. Donc, le problème, pour une raison qui est simple, c'est qu'un homme, un homme vertueux, ça s'empêche. L'homme conservateur se lâche, tout simplement. Or, nous sommes dans le culte de il faut se lâcher. Et oui, parce que si on ne se lâche pas, la dynamique du marché n'est pas là. Eh bien, évidemment. Vous ne faites pas un marché quand tout est quand il y a des tas de choses qui sont tabous. Bon, vous faites un marché quand tout est ouvert, fluide, liquide. Voyez? Donc, c'est ça le problème. C'est que vous avez des gens, et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez cette inflation verbale absolument monstrueuse du terme valeur, c'est qu'on parle de ce qu'on n'a plus. On parle de ce qu'on n'a plus. On parle du fantôme dans la pièce. Or, et malheureusement, les Européens doivent arriver, alors chacun sur les méta-valeurs qui animent sa civilisation. Moi, je n'ai pas à dire aux Slovènes ou aux Polonais quelles sont les vertus de l'homme polonais ou de l'homme slovène. Moi, je sais ce qu'a été les vertus de l'homme français. C'est déjà, et c'est tout ce qui me concerne. Or, le problème, c'est qu'on nous interdit de cultiver ça. Le seul moment où vous avez le droit, par exemple, de dire que l'honneur, c'est quelque chose de bien, en France, c'est dans un truc très particulier, c'est dans le cinéma. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'avoir la nostalgie de l'honneur pour l'homme de la rue, mais vous allez au cinéma pour voir des hommes d'honneur. Bon, c'est quand même terrible. C'est-à-dire que ce qui, pour nous, a fait la grandeur de ce que nous avons été, aujourd'hui, doit être passé par l'imagerie hollywoodienne pour qu'on ait le droit de le voir. Bon, c'est quand même un stade de décadence qu'aucune civilisation n'a connu. Si vous voulez, la chute de Rome, ça avait plus de gueule que ça. Ou Donc, alors on le fait, ou alors on le fait même vivre en fait par des jeux vidéo à des enfants, parce que en fait bien sûr. tout est dans cet imaginaire-là, Alors voilà. qu'on l'interdit aux populations, pourquoi? Parce qu'on a besoin, pour que le circuit économique puisse vivre en vendant des choses avilissantes, parce que l'avantage quand on vend des choses avilissantes, c'est qu'elles sont pas chères à produire et qu'elles peuvent être très chères à vendre. Ça ne demande pas d'orfèvrerie, si vous voulez. Pour pouvoir vendre des choses avilissantes et pour pouvoir avoir des hommes avilis, parce qu'un homme avili, ça obéit. Or, s'il y a une chose que les Européens ont apporté au monde de différentes manières, et ce, depuis la Grèce, c'est que beaucoup de civilisations européennes sont des civilisations de l'autonomie. Autonomie, c'est se donner à soi-même la loi. Nous ne sommes pas des civilisations du knout. Nous ne sommes pas des civilisations qui obéissons sous le fouet. Or aujourd'hui, et d'ailleurs vous avez une part même de la philosophie européenne actuelle que je trouve, qui me fait peur, chez Habermas, chez Sloterdijk, sur le parc humain. Aujourd'hui, vous avez des gens qui veulent que l'Europe soit un grand parc humain. Or, il n'y a rien de plus anti-français, anti-latin, anti-slovène, anti-polonais ou anti-anglais que le rêve du parc humain. Alors, il y a des civilisations en Europe qui aiment l'obéissance, peut-être parfois à tort. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas notre cas à tous, et en tout cas, nous n'avons pas à vivre ce rêve cauchemardesque que moi j'ai vu. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai vu des débats dans les sections éducation, parce que je vais vous le dire sincèrement. L'Union européenne prépare dans votre dos des choses que vous n'imaginez pas. Je vais vous donner un exemple. Théoriquement, l'Union européenne n'a pas de compétences en termes d'éducation. Mais n'oubliez pas que le droit européen. Et malheureusement, et je suis désolé, mais à vous qui avez connu l'occupation soviétique, ça va vous rappeler de mauvais souvenirs, le droit européen est un droit qui n'a pas de méthode littérale d'interprétation. Il doit être interprété de point de vue téléologique, c'est-à-dire qu'il doit être interprété à travers la pensée des législateurs pour avoir l'emprise la plus forte face aux droits nationaux avec qui il est en concurrence. Eh bien, vous, ça va vous rappeler quelque chose. C'est ce qui est à moi, ce qui est à vous est négociable. Donc, l'UE prépare ses programmes éducatifs, elle vous les imposera dans son temps. Je le sais, il y a une commission éducation au Parlement européen. Et j'ai vu ce qu'il y avait dedans. Moi, quand des parlementaires me disent qu'il va falloir
désapprendre aux petits Européens au cours de ce siècle à utiliser ceci. Voilà. Pourquoi? Parce que la tablette ne discrimine pas le migrant. L'écriture manuscrite, oui. Alors Et le pire, c'est que c'est fait avec votre pognon, hein. C'est vous moi qui les payez, ces gens-là. j'étais un peu Donc, étonné quand même. voyez? Quand je suis arrivé en France dernièrement, j'ai vu des textes avec une écriture inclusive. Alors, C'est le sincèrement, pour moi, début. c'était très très dur à comprendre, en fait, à lire. Et je me demandais, en fait, est-ce que on va pas bientôt, pour être encore plus inclusif, on va pas utiliser l'écriture chinoise. On va inventer une écriture. Parce que, en fait, l'inclusivité n'est pas que sur le sexe, mais elle est également sur d'autres rapports culturels. Et en fait, Leur donnez pas d'idées, malheureux, et leur donnez pas d'idées, mais si vous voulez, et c'est ça, une civilisation, des civilisations qui sont sorties de leur axe, comme je disais tout à l'heure, c'est que quand vous n'avez plus de notion de bien commun, vous en tant que catholique, c'est une notion qui vous parle. Quand vous n'avez plus ça, la société devient grand théâtre d'expérimentation. Qui est, alors c'est une expression française, vous allez me le pardonner, chez nous, on a un concours d'inventeurs depuis des décennies, des siècles, des décennies, qui s'appelle le concours Lépine. Donc, où il faut, c'est le plus. Chacun apporte ses inventions. Bon, c'est très français. Et là, si vous voulez, on est dans le concours Lépine de la plus belle bêtise. Or, ils iront jusqu'au bout, si vous voulez. Je le crains. Si, ce sont des gens qui ne s'arrêteront que quand quelqu'un les arrêtera. Ça, j'en suis intimement persuadé. Monsieur Bochtalemzouk, est-ce que vous pouvez un peu. Vous avez une remarque à tout ce qu'on vient d'entendre? Là, Oui, donc là, je suis avec un intérêt particulier, tout cela. Donc là, j'ai à souligner, à mettre en relief quelque chose. Donc, je commence par l'idée de l'immigration. Donc, c'est une idée qui est contradictoire. Et quand tout est contradictoire au sein de l'Europe actuelle, pour des raisons que voilà, j'ai devant moi, parce que ça contredit l'esprit des pères fondateurs, et ça va à l'encontre de leur idée, lorsqu'ils ont fondé la communauté dans les années 40, donc à la fin des années 40, dans les années en. Donc c'était le 9 mai 1950. Ouais. Quelques jours avant le 9 mai 1950, donc le traité de Rome. Voilà, je vous présente les mémoires, si vous voulez, les mémoires de Jean Monnet. Et bon, à la page 355, donc Jean Monnet qui est, voilà. Un sort de fonctionnaliste européen. Donc là, il voyait, mais il y a 30, 40 ans, cela fonctionnait encore. Il voyait l'Europe comme un égrenage, etc. Mais il dit, voilà, avant, c'était quelques jours avant, lorsqu'ils sont passés à rédiger le dernier document pour le 9 mai, donc la dernière variante du traité. Donc là, il dit. L'Europe pourra, avec ses moyens accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ses tâches essentielles, le développement du continent africain. La même chose, c'est-à-dire que nous allons en Europe, nous allons offrir notre civilisation, ce que nous avons, des valeurs, notre savoir. Voilà, nous allons aider les Africains à faire en Afrique ou en Asie ou en Proche-Orient un sort de simulacre ou donc un sort de modèle européen pour eux-mêmes dont ils jouiront eux-mêmes. La même idée, c'est l'idée de Schuman, la même idée, l'autre père fondateur, et la même idée que vous avez aujourd'hui, le seul qui ose se dresser contre l'immigration. Et c'est le. Donc je parle à niveau, au plafond. C'est le cardinal Robert Sarrar qui dit, lorsque l'immigrant de l'Afrique, il vient à l'Occident, il découvre quoi? C'est la société de consommation qui est privée de toutes les valeurs et qui est surtout privée de Dieu. Et un Africain, un homme d'Asie, il ne peut pas concevoir l'univers sans Dieu. C'est une sorte de, non d'oxymore, mais c'est une sorte de paralogisme.
Il n'y a pas, parce que l'univers et tout ce que nous savons depuis donc la découverte de l'expansion de l'univers, depuis l'abbé de Maître, puis les années 60, etc. Donc là, il y a une logique, comment dirais-je, qui va dans le sens que l'univers est soubassé par une force qui est la force de Logos, de la parole, parce qu'il ne peut pas être autrement. Bon, c'est un autre débat. Mais c'est un autre paralogisme. C'est, par exemple, je proteste contre, lorsque j'ai vu rentrer le pronom I et elle, comment ça se prononce, dans le petit Robert. J'ai dit, j'ai averti mes étudiants, j'ai beaucoup d'étudiants en échange Erasmus français, j'ai dit, écoutez, ça ne se fait pas, c'est pas faisable, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que le pronom, pronom même, en latin, qu'est-ce que c'est? Le pronom, il s'adresse au lieu d'une autre chose. Il dénote une chose qui est concrète, qui est autre, le pronom. Et maintenant, qu'est-ce qui dénote yel? Une chose qui n'existe pas. Donc, ce n'est pas un pronom. C'est logiquement, du point de vue formaliste, une logique formelle et de la linguistique, c'est pas. Maintenant, il vous parle, le traducteur, de faire un surcoût de linguistique générale en slovène, ce n'est pas un pronom. Parce qu'il ne représente rien. Comme toutes ces patati patata de LGBT, etc. Donc, ce ne sont que des paralogismes et des antinomies qui sont dérivées des paralogismes et des antinomies de deux idéologies dominantes qui sont au derrière-plan, donc du fordisme et du marxisme. Pourquoi? Parce que le fordisme a libéré l'homme pour la sexualité pathologique et LGBT, etc. Nous vivons l'époque de la sexualité pathologique depuis 68, ça a commencé là. Je vous rappelle le dernier tango à Paris. Qu'est-ce qui se passe, Marlon Brando? Donc, après avoir enterré sa femme parce qu'elle s'est suicidée, il part à une autre aventure et qu'est-ce qui lui arrive? Donc, c'est pas l'autre femme qui se suicide, c'est lui qui s'est suicidé, bon, qui finit par un coup de pistolet de son amante. Mais c'est la sexualité pathologique, nous vivons le règne. Et ça contredit tout, la littérature, la morale, les valeurs, et surtout ça contredit le sens. Parce que l'homme peut vivre, donc je cite partiellement Patrick Buisson, l'homme peut vivre avec n'importe quoi, mais il ne peut pas vivre sans la signification. Et l'Ouest, et surtout Bruxelles, il nous force à vivre sans la signification. La signification, ce sont des pivots ou des axes verticaux comme la religion, la culture, la généalogie. Je suis fils d'un tel qui était fils d'un tel. J'admire Notre-Dame de Paris, j'admire la Porte de l'Enfer de Rodin parce que c'est une généalogie, parce que je m'oriente dans l'axe diachronique. Ce sont mes ancêtres, mes familles des esprits qui ont existé et qui ont contribué à cela. C'est vous qui mentionnez, monsieur Rougeron, donc, que nous sommes les nains sur les épaules des géants. Voilà. Et là, ils veulent nous couper de tout cela en nous offrant la Bien sexualité sûr. pathologique, parce que c'est, en parlant en termes concrets, c'est LGBT, c'est la sexualité pathologique qui ruine premièrement. J'ai rien contre les homosexuels. Je connais les homosexuels, donc là, j'ai du respect Non pour mais eux. Et ça n'a rien à faire non mais, avec sur, non, mais LGBT. surtout, il faut toujours rappeler une chose qui est simple. La plupart des homosexuels ne leur ont jamais rien demandé. Si vous voulez, Oui. s'il y a un contresens à faire, à éviter, à ne pas faire et à éviter absolument, c'est de dire que ces gens qui sont des minorités agissantes, qui sont montés et en épingle par certains groupes de pression ou certaines coteries journalistiques, représentent les homosexuels. Je dis, vous ne représentez personne, vous ne représentez que vous-même. Les homosexuels ne vous ont rien demandé. La preuve, et je vais vous le dire très sincèrement, je vais vous donner un exemple qui est très simple. En France, et ça c'est nous avons une part d'immigration maghrébine et qui est très violemment homophobe, c'est-à-dire qui s'attaque aux homosexuels. Et là, il y a une augmentation
des attaques et des attaques extrêmement violentes, où il y a des blessés sérieux, où il y aura des morts nécessairement, parce que souvent c'est des attaques au couteau, donc statistiques. Or, le lobby LGBT est immigrationniste. Il voudrait le bien des siens et dirait, attendez, si on pouvait un peu de calmos, quoi, le, voyez? Le, et pas du tout, pas du tout. Le, c'est, ce sont des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui essayent de faire passer toute personne qui les contredit comme une personne incitant à la violence. Moi, à titre personnel, si vous voulez, moi j'ai un sens de vieux républicain français. C'est-à-dire que moi je parle aux milliardaires comme aux RMistes, à l'immigré comme aux deux souches, à l'hétérosexuel comme à l'homosexuel de la même manière. Hein, pour ceux qui connaissent la culture cinématographique, moi j'ai beaucoup aimé un vieux film de Kubrick qui était Full Metal Jacket et où il y avait le sergent Hartman qui disait je vous maltraiterai tous. Et voilà, de manière égalitaire. Et moi je préfère ça. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent faire une chose simple. Ils veulent créer une cage de fer sémantique, c'est-à-dire, ils veulent inverser le rapport à la logique occidentale classique. C'est-à-dire quelque chose qui nous a porté pendant 25 siècles, depuis l'Organon quand même. Hein. Bon. Ils veulent inverser ce rapport-là pour créer, et ça, c'est tout le phénomène de la déconstruction. Enfin, faut lire. Nous, on a un jeune penseur particulièrement important en France, qui est un de mes amis, qui est Baptiste Rapin. Faut lire les égèdes qu'il a fait de l'école de la déconstruction. Si vous voulez, c'est l'école de la déconstruction, c'est des gens qui voulaient créer une nouvelle civilisation. Ça a raté. Ça a raté parce que vous pouvez empiler. Vous pouvez empiler 50 fauteuils et 20 tabourets les uns sur les autres, ça tombera. Bon, ben, c'est ce qui est en train d'arriver. Et pour ne pas voir que finalement ça n'a mené à rien, parce que ça n'a mené à rien, eh bien, ils vont aller dans la brutalité, dans la violence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en train, par un phénomène d'impérialisme, de tenter de l'imposer au monde. Moi, quand je vois la violence bruxelloise sur la question des mœurs, moi, si vous voulez, il y a une chose, peut-être que nos amis slovènes ne le savent pas. Chaque mois, l'Union européenne sanctionne trois pays depuis des années. Des années, des années, des années. C'est à la plénière de Strasbourg que ça se fait. Et l'un des premiers trucs, c'est bah, vous n'avez pas de mariage gay, vous n'avez pas de ci, vous n'avez pas de ça. Et vous avez des tas de petits pays qui morflent, le petit royaume du Cambodge, la Birmanie, des pays africains, le Venezuela. Ça, c'est de l'impérialisme. Mais je vais vous donner un exemple. L'Arabie Saoudite, par exemple, dont l'affection pour les LGBT est proverbiale, elle n'y passera jamais, alors qu'elle les exécute. Hein. Donc, si vous voulez, c'est. Et malheureusement, vous imaginez que ce que tous ces pays pensent maintenant des ressortissants européens, alors que on s'attaque à eux sans raison. Or, c'est un véritable problème. Les Européens aujourd'hui exportent leur décivilisation de force à l'ensemble du monde. Et ça, c'est un vrai problème. Parce Alors que nous ça. sommes tellement loin de nous-mêmes que nous voulons que les autres nous rejoignent dans le néant. Ça se terminera dans la violence. Parce que vous avez des pays, quand vous les sanctionnerez sur leurs modèles familiaux, moi je le vois avec les diplomates africains, je le vois avec les diplomates arabes, je l'ai vu là-bas, moi j'ai vu des diplomates arabes ulcérés. Je me rappelle d'un diplomate égyptien, ulcéré. Qu'on lui dise quand est-ce que le maréchal Al-Sissi passe à la Gay Pride au Caire. Pour toute personne qui connaît l'Égypte, qui connaît le Moyen-Orient, ou qui, comme moi, connaît l'Afrique noire, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas prêts. Or, vous vous rendez compte que nous sommes tellement loin de nous-mêmes que nous allons, par la violence, exporter notre mal de vivre aux autres. C'est ce qui est en jeu en ce moment.
ça se terminera mal. La plupart, ce que le grand Jacques Sapir, très grand intellectuel français, appelle le Grand Sud. Donc, si vous voulez, tous les pays non occidentaux. Ils veulent pas se battre avec nous. Ils veulent vivre en dehors de nous. Parce que on les laisse pas vivre comme ils veulent. Donc, ils vont faire sécession de nous pour se sauver de ce que nous sommes en train de devenir. Mais si nous allons les chercher pour leur imposer notre mode de vie, ça tournera mal. Ça tournera mal. Ben, c'est sur ces mots qu'on va peut-être terminer notre entretien, parce que l'émission tient à la fin. Je vous remercie sincèrement de Merci de cet m'avoir invité. entretien. Oh, Et merci. Voilà. j'espère sincèrement encore faire peut-être une émission encore avec vous si vous y êtes partant. Avec Voilà. plaisir et j'espère revoir mon très estimé collègue. Voilà. Très très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Quala vam, drage gledavke in gledavci, za pozornost. Jezus je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Lahko spoznavamo, poskušamo razumeti, a če v nas ni želje spremeniti sebe, se ne more roditi iskrica upanja, da se bo naš svet izboljšal. Zato vas, drage gledavke in gledavci, vabimo, da še naprej spremljate naš program, kjer vas bomo spodbujali delati korake do teh sprememb. Do takrat pa na snidenje.